Nooman, le seul youtubeur qui n'a pas d'intro, qui s'en est fait une avec un dessin tout pourri en chantant n'importe quoi. Ta-da-ta. Transforme ton forfait téléphonique en jeu vidéo avec alloparadise.fr. Ciao les amis, c'est Nooman, on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de deux joueurs Animeform et une légende, une icône on va dire cette année que j'ai réussi à choper grâce à l'achat-revente, toujours dans le but d'avoir une, peut-être à la fin du game, au mois d'août ou au mois de septembre prochain, une équipe full légende, on verra ça. En tout cas ça commence bien, je vous présente ça tout de suite, deux joueurs, on va voir un peu où est-ce que je les ai placés, on va voir si vous arrivez à trouver qui j'ai acheté, je vous montre ça tout de suite. Alors on est toujours sur cette équipe de première ligue, hein. J'ai donc décidé de changer N'Golo Kanté puisque voilà, c'était le joueur à résister entre lui et Bakayoko. Au final Bakayoko je le trouve très très bon, voire quasiment aussi bon que Kanté, il est beaucoup moins cher, donc voilà j'ai revendu mon N'Golo Kanté. J'ai réussi d'ailleurs à le revendre plus cher pendant le Cyber Monday que quand je l'avais acheté il y a un mois, petit exploit quand même. Et donc il y aura également un AD, on va commencer par l'AD, il est français, il y a pas mal de monde qui l'utilise. Il a joué en Ligue 1, il joue maintenant en MLS, il fait les beaux jours d'une équipe de MLS, il s'agit bien évidemment de... Romain Alessandrini, voilà, Romain Alessandrini, le français qui joue maintenant au LA Galaxy. Alors pourquoi je l'ai acheté, vous saviez qu'avant j'avais ça là, Hero, j'ai regardé les stats, ça n'a rien à voir, hein. Même si la note est moins bonne, il est carrément meilleur. Et c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait pas mal de monde sur les lives et sur Twitch qui l'utilisait. Alors je l'ai acheté un peu cher, c'est vrai que la première fois que je l'avais acheté, il était à 22 ou 23 000, je l'avais acheté pour faire de l'achat-revente, et au final quand j'ai voulu l'acheter définitivement, il est à 39 000, bon voilà, c'est les risques du métier. En tout cas, il est très très fort, même si vous voyez que j'ai pas fait grand match avec lui. Très très bonne impression sur ce Romain Alessandrini. Testez-le si vous n'avez pas eu l'occasion. Franchement, vous m'en direz des nouvelles. Et de toute façon, on va voir après cette présentation très rapide d'équipe. Je vais vous faire un petit match en loose day, comme ça, tranquillement, voir un peu ce que ça donne pendant qu'on joue, hein, bien évidemment. Parce que ça sert à rien de présenter un joueur si tu ne montres pas comment est-ce que ça rend sur le terrain. En tout cas, voilà, Romain Alessandrini. Je pense que j'ai fait une très bonne affaire pour au niveau du prix, mais au niveau du joueur. Parce que vous regardez ses stats IRL et ses stats in-game, elles sont énormes. Et le deuxième, alors le deuxième, c'est également un français, bon je pense que vous le savez déjà, hein, il y a pas mal de monde également qui l'utilise, les joueurs pro l'utilisent énormément. Il est noté 85 de général, c'est une icône, il est français, il a joué en championnat de France, il a bien évidemment aussi joué en première ligue, il a joué à Montpellier, il a joué à Marseille, il a joué à Manchester United. Il s'agit de le président Laurent Blanc qui intègre mon équipe des stats très très bonnes, parce que vous voyez qu'à la base déjà il a quasiment 80 partout, Gullit gagne quasiment alors qu'il a que 85 de note générale. Je l'ai payé un peu cher bien évidemment, ça reste une légende, hein, très très fort. J'ai fait un seul match avec lui, ce qui est très bon pour un MC, c'est qu'il a une finition de port, parce qu'il a 86 de finition, quasiment 82 long shot, il est très très bon en défense, il est bon, en plus il est assez agile quand même, parce que c'est la version Laurent Blanc quand il était jeune, donc voilà, il avait un peu la grinta, son corps ne lui faisait pas encore défaut. Et donc voilà, pour l'instant, premier match, il a envoyé une grosse sacoche en pleine lucarne, j'espère pouvoir faire ça dans le match qui va suivre. Donc voilà, ça nous fait une petite équipe qui commence à être un petit peu au poil de cul. En bas, c'est pas du tout les joueurs que je vais utiliser, hein, c'est les joueurs que j'utilise pour l'achat-revente, mais comme ma pile est pleine, faut que je les stocke un peu partout. Donc voilà, tout ça va dégager en achat-revente et me faire un maximum de crédit. J'ai déjà une petite idée pour la prochaine icône, puisque une fois que j'aurai revendu ma pile d'échange, je pense que je vais pouvoir m'acheter une prochaine icône. Vous allez voir ça. Au départ, ça devait être Roberto Carlos. Je pense que je vais changer mon Philippe Paul, comme dirait l'autre. Donc voilà, on va se faire un petit match avec cette équipe qui me semble de mieux en mieux. On va voir un peu ce que ça donne. On va tester un match de qualification fut champion si les critères le permettent, hein, puisque vous savez que j'ai dû faire à peu près 3 matchs de qualification fut champion depuis le début. Et bien évidemment, j'ai pas été au bout, puisqu'il faut en faire 4. On voit ça tout de suite. J'espère que cette équipe vous plaît. Si vous avez des améliorations ou si vous avez des petits joueurs à me faire changer, n'hésitez pas, on va voir ce que ça donne. En tout cas, let's go pour le gameplay. Ah, c'est parti mon kiki, on va voir un peu ce que l'adversaire nous propose. Il nous propose une série avec du Gonzalo Higuain, avec bon, c'est une équipe classique, hein, avec le Jordan Lukaku, vous l'achetez à 750 le lundi matin, le revendez à 1800 dans l'après-midi, ça part comme des petits pains. On a également du Bonucci, on a du Manolas, très très bon, Adanovic, une belle équipe de série A. Il n'y a pas des joueurs extraordinaires, mais bon, ça tient la route, et avec le script, on sait jamais. Allez, Laurent Blanc, allez, la grosse frappe, là ça coche, ouh, la transversale, dommage, la tête, dommage. Donc je vous avais dit qu'il y avait une grosse frappe, celle-ci elle se crasse sur la barre, mais c'était limite. On l'a vu Laurent Blanc, oui on l'a vu Laurent Blanc, on l'a vu Lolo, mais oui Lolo White, toujours Lolo White, allez qu'est-ce qu'on va lui faire, on va lui faire, il va touiller, oui je crois qu'il va touiller, il touille Laurent Blanc, il touille. En tout cas voilà, deux matchs, deux buts, puisqu'il avait marqué un but lors de son premier match, Laurent Blanc et Hernandez, voilà les légendes, est-ce que ça fait la différence, j'en sais rien. En tout cas ça fait plaisir parce que c'est des joueurs qui ont franchement des très bonnes stats, et même si le général n'est pas énormissime, elles envoient du gros bois pour l'instant, 1-0. Allez, Alessandrini, la vitesse d'Alessandrini, le petit stop and turn, la passe tout de suite, Hernandez! Oh putain, un poil de cul, dommage! Et le petit corner, la technique de Fourbe,
Oh oui, la technique de courbe qui marche toujours, hein, oui. Bon, je suis désolé, alors c'est pas très très beau puisque c'était un glitch, vous, si vous voulez voir comment ça marche exactement cette technique d'enculé, y a pas d'autre mot, vous allez voir sur la vidéo, sur la chaîne YouTube de Commando Shaiba, il vous explique tout ça, c'est un très bon joueur, en plus il est super sympathique, il a un ratio de gorée. En tout cas voilà, c'est un petit glitch, hein, y a pas d'autre mot qui nous permet de marquer souvent sur ces corners là, 2-0. Encore une fois, on récupère avec beaucoup de chance, on arrive à trouver Hernandez. Allez Hernandez, on va prendre le temps, on va fixer tout de suite. Mais oui, le 3-0, Lolo White encore une fois, il est énorme, ça demande la pause, est-ce que ça va rage quitte, on va voir, en tout cas on va célébrer Laurent Blanc qui nous fait, il nous joue un peu de pipo, Laurent Blanc. Je sais pas pourquoi, à chaque fois il est rouge ici, dans la façon qu'il boit un peu de pinard. En tout cas la pause est demandée par Tekari, est-ce que ça sent le rage quitte? À mon avis j'ai bien l'impression, on va voir un peu tout ça. Reprendre match, allez, 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 rage quitte les enfants, rage quitte. En tout cas voilà, ça fait plaisir, je joue pas souvent, mais quand ça se passe comme ça au moins avec un match tous les 15 jours, quand ça se passe comme ça, t'as l'impression de bien jouer à FIFA et ça fait zizir. En tout cas la connexion a été perdue, le joueur a lâché l'affaire, il s'est dit non, de toute façon je vais m'en prendre 35 pendant le match. On va le voir un peu, je sais même pas s'il a frappé le pauvre Loulou, si il a frappé une fois. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, on continue à accumuler les légendes, on va voir un peu si on arrive à se faire quelque chose, enfin se qualifier à plus de champion, mais le problème c'est que je joue deux matchs dans le mois, donc c'est compliqué d'en gagner 4 en une seule journée, en une seule fois. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à laisser des commentaires, à faire ce que vous voulez avec. À la prochaine et portez-vous bien. Salut tout le monde.